Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de 4 minutes proposée par les journalistes de Reflet. 4 minutes est une émission consacrée à la culture dans Cattenom et dans ses environs. Au sommaire de cette édition, la présentation de Cattenom Loisirs Culture, nos coups de cœur culturels et l'agenda des manifestations à ne pas manquer. CLC a été créé en décembre 1990. Dès les premières années, Yves Duteil est nommé parrain de l'association. C'est d'ailleurs son nom qui sera donné au bâtiment qui héberge les activités. Jean-Luc Bonzon, premier président de l'association, a été remplacé en 1992 par Jean-François Labougli. Et depuis 2005, c'est Jean-Pierre Jungling qui assume la responsabilité de ce poste. Comment fonctionne l'association ? Alors l'association fonctionne tout d'abord par un conseil d'administration de 15 personnes bénévoles. Étant donné qu'on a un large panel d'activités, chaque activité a une commission. Ces commissions sont également composées de bénévoles qui représentent leur activité, qui les font fonctionner. Ces commissions ont pour rôle de nous rendre des comptes lors des différents conseils d'administration, de faire évoluer les activités et d'apporter des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, le tout étant de rendre l'activité toujours plus enrichissante. Pourquoi CLC est important à Cattenom ? CLC est important à Cattenom parce qu'on propose beaucoup de manifestations, à peu près 12 manifestations à l'année. Ces manifestations généralement attirent beaucoup de monde et elles sont très diversifiées. On propose aussi bien du théâtre, de la marche, des concerts, des galas, des expositions de peinture, des bourses aux plantes, enfin tout ce qui peut attirer un large public. CLC dispose de nombreuses salles à l'espace Yves Duteil, lui permettant ainsi de proposer plusieurs activités culturelles en même temps. Dans le marasme des productions actuelles, Amy Winehouse est une réelle bouffée d'oxygène. Vendu à ce jour à plus de 11 millions d'exemplaires, son album Back to Black est une vraie révélation pour ceux qui aiment l'ambiance des années 50-60. Chant puissant et envoûtant, tantôt soul, tantôt jazzy, c'est frais, rythmé, parfois plus sombre, mais toujours de qualité. You made me miss the slick reggae. I thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. Amy Winehouse est sûrement l'une des artistes les plus douées de ces dernières années. Auteur, compositeur et interprète, la demoiselle fait preuve d'une maturité impressionnante à seulement 27 ans. Si vous êtes attiré par les voix qui sortent de l'ordinaire et par le rythme des sons cuivrés, cet album est une petite merveille qu'il faut écouter de toute urgence. L'illusionniste est un film qui se passe à Vienne dans les années 1900. Un jour, surgit le charismatique et mystérieux illusionniste Eisenheim, qui ne tarde pas à devenir l'homme le plus populaire de la ville, mais aussi l'incarnation vivante d'une magie à laquelle plus personne n'osait croire. Mais sa gloire est insupportable pour le prince héritier Léopold, dont la popularité diminue à mesure que grandit celle de l'illusionniste. Rationaliste convaincu et avide de pouvoir, le prince apprend que Eisenheim fut le grand amour de jeunesse de sa fiancée, la belle Sophie von Teschen, qui aurait encore pour lui de tendres sentiments. Décidé à écarter ce rival, le prince charge son homme de confiance d'enquêter sur lui et de révéler ses impostures. Une partie serrée s'engage entre les deux hommes. En plus d'une superbe constitution de Vienne en 1900, le film nous fait balancer entre rêve et réalité en mêlant fantastique, romantique et policier. Le scénario est bien mené, les ambiances et les images sont sublimes, et la fin est aussi surprenante qu'inattendue. Siage est un convoi multiracial de vaisseaux spatiaux à la recherche de planètes à coloniser. Un jour, ils atterrissent sur la planète de Navis, une enfant d'une race jusqu'alors inconnue, les hommes. L'armada décide de la recueillir et d'en faire un agent spécialisé dans les missions périlleuses. La sauvageonne ne va pas tarder à semer le trouble au sein du convoi et à introduire un soupçon de conscience politique parmi ses membres. On devient accro à cette BD de science-fiction car on s'attache rapidement à des personnages pleins d'humour et on s'intéresse d'emblée à un scénario qui déborde d'action. Pour compléter cette saga réjouissante, vous pouvez aussi passer par le secteur jeunesse et demander la série Navis qui raconte l'enfance de la jeune fille. Initialement composé d'un club nature, de quelques cours de musique et d'un billard, CLC a sans cesse cherché à innover dans ses activités. La plupart de ces activités ont permis la création de nouvelles associations cattenomoises, comme par exemple le club ado et l'accueil périscolaire, créé par CLC et repris par l'association Les Quatre Mômes, ou encore la chaîne locale Reflet et le projet d'aménagement du château, créé par CLC et repris par l'association Arcade. Quelles activités sont proposées à CLC ? Donc à CLC, on a beaucoup d'activités assez diverses. On a de la danse, notamment de la musique. On a également de la peinture, aquarelle et également dessin enfant. Et on a également des petites activités manuelles. Toutes les activités n'ont pas vraiment de limite d'âge. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plus de 60 ans peut aussi bien venir soit à l'atelier mémoire pour réveiller un petit peu ses neurones, soit venir à la peinture avec justement
justement et côtoyer des gens un peu plus jeunes, soit à du yoga, à de la danse même, à de la musique. Nous avons beaucoup de musiciens de plus de 60 ans. Pourquoi les gens sont attirés par Cattenom Loisirs Culture ? Je pense que c'est par la diversité des activités, par le fait aussi qu'on soit ouvert à tous. Comme le slogan le dit, la culture pour tous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre Cattenomois ou des personnes CCCE ou hors CCCE. Le fait que ça soit convivial et familial. Et je pense que le fait que quand ils viennent, ils savent où trouver quelqu'un en cas de souci, je pense que c'est rassurant aussi pour les parents et pour les enfants. Du 16 au 20 février, vous pouvez assister à des matchs de tennis pendant le tournoi d'Elevens Cup organisé par le Tennis Club. Le vendredi 19 février à 18h30, la médiathèque organise une soirée conte avec Virginie Van Acker. CLC est donc ouvert à tous, que vous soyez débutant ou confirmé, et quel que soit votre âge, vous êtes sûr d'y trouver une activité à votre goût. Vous pouvez contacter l'association aux coordonnées qui s'affichent au bas de votre écran. 4 minutes s'achèvent. Nous vous donnons rendez-vous dans une quinzaine de jours pour la prochaine édition. Et nous finissons sur une citation d'André Malraux : « La culture, c'est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers ».